vieux McDonald avait une ferme, I-I, I-I, oh. Et dans sa ferme, il y avait un... Il y avait une... Oh, jamais je pourrais y arriver. Jamais, 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 jamais. Oh, hé, hey, dame musique, hé, hey, dame musique. Quoi, qu'est-ce que c'est? Moi, c'est Kermit, ah, votre ami Kermit. Oui, c'est vrai. Dame, je comment viens, ça va? Très bien. Est-il mieux vrai que vous êtes venu à la ferme du vieux McDonald pour y composer votre prochain succès? Mais oui, il n'y a rien de plus vrai. Je suis venu ici afin de m'inspirer des bruits et de ce qu'on voit dans une ferme pour ma nouvelle chanson. Oh, très bien. Et je veux d'ailleurs vous la jouer. Oh oui, avec joie, n'est-ce pas, les mélomanes? Oui. Oui, faites-nous voir ça. Je commence par le refrain, voilà. Très bien. Le vieux McDonald avait une ferme. C'est bon. I-I, I-I, oh. Bien. Et dans sa ferme, il y avait un... Une grange, oui. I-I, I-I, oh. Une grange qui faisait... Je me demande quel bruit peut faire une grange. En fait, moi, je ne crois pas qu'une grange puisse faire un bruit quelconque. Bon, vous ne bougez pas d'ici. Moi, je vais écouter le bruit que fait cette grange-là. Et puis, je reviens et je termine. Une minute. Écoutez une grange. Mais cette grange ne fait pas de bruit. Un peu de silence, je n'entends pas la grange. Mais ce qui n'est pas possible qu'on me débarrasse de cet animal. Pensez-vous qu'on puisse écouter une grange avec de pareils grognements? Non, mais écoutez-moi un peu ça. C'est plein de grognements par ici, plein par là. Vraiment, ça n'est pas possible, ces grognements. Je n'arrive pas à écouter le bruit de cette grange. Je crois que cette grange est tout à fait muette. Jamais je ne terminerai cette chanson. Jamais. Don, répondez-moi, ça va? Oui, ça va. Bien. Mais Don, pourquoi ne pas regarder autour de vous et écouter ce qui fait du bruit? Peut-être que ça pourrait vous inspirer. Oh, regardez. Oui, voyez. Mais comment n'y ai-je pas pensé avant? Vous avez trouvé? Eh oui, écoutez. Parfait. Voilà, je vous écoute. Vieux McDonald avait une ferme. I-I, I-I, oh. Et dans sa ferme, il y avait un tas de foin. I-I, I-I, oh. Un tas de foin? Tas de foin, c'est évident. Les vaches mangent du foin. Des tas de foin, il y en a partout dans une ferme. Mais j'ai un peu oublié quel bruit fait un tas de foin. Attendez-moi, je reviens. Franchement, je ne crois pas qu'un tas de foin fasse plus de bruit qu'une grange. Plus fort, je n'entends rien pour le moment. Hein? Mais enfin, voulez-vous me laisser en paix? Fichez-moi le con, taisez-vous, je n'arrive pas à écouter ce foin. Mais pourquoi venir capter bêtement? Côte-côte par-ci, côte-côte par-là. Et pour tout arranger, la vache qui fait meule. Et toi, avec tes grognements, tu vas me faire devenir fou. C'est impossible de ne pas entendre le foin avec tous ces bruits. Meule, côte-côte. Oh, c'est affreux. Il n'y a dans une ferme aucun bruit qui puisse inspirer une chanson. Ah, toi, mais ferme-la. Oui, ferme-la. Je vais finir par me fâcher. Oh, jamais je ne pourrai finir ma chanson. Jamais, jamais. Don, c'est Kermit. Écoutez-moi. Oui, vous ferez bien mieux. Écoutez les bruits gros, les animaux. Les animaux. Les bruits très spécifiques d'une ferme, ce sont les cris des animaux. Mais oui. Oui. Mes amis, ça y est. Il va trouver. Tiens, j'ouvre toutes grandes mes petites oreilles. Le vieux McDonald avait une ferme. I-I, I-I, oh. La suite. Et dans sa ferme, il y avait une grenouille. I-I, I-I, oh. Et qui faisait hop, hop, par-ci, et hop, hop, par-là. Ici, et hop, et là, hop. Et puis ensuite, hop, hop, vieux McDonald avait une ferme. I-I, I-I, oh. Bien, moi, je vais m'en retourner en ville maintenant. Mais si quelqu'un veut je le comprends pas. Mais bon sang, où est-ce qu'il va? Je vais m'en faire sur son serve bien. Oh, Will, crois-tu que dans les fermes, ça va être un succès? Oh.